Bon allez. Let's go pour la quête RM. On avait dit laquelle les gars? Celle-là? Bon, je fais le Rajank en premier, ok? Donc là on est parti sur la quête du RM999, ça fait plaise. Je vais faire le Rajang en premier. Oh, la petite pression là. 999, l'esprit tranquille. Hein, comment? On va prendre ça. Je suis même pas, honnêtement, je suis même pas sûr d'y arriver, Misto. Je suis même pas sûr d'y arriver. Allez, c'est parti, easy. Allez, allez, on donne tout. On va aller sur le Rajang. J'ai pris le 7 et ça a eu des glaces. 3 cartes. J'y crois. Je doute. J'aurais peut-être dû prendre reroll jusqu'à avoir une vie supplémentaire. Salut Marco. T'es sur la quête du RM999. J'espère que t'es chaud. Moi, je pense que si j'avais la clear, je mets au moins 40 minutes, honnêtement. Oh, déjà, je me fais pas respecter, dégage. Non, mais c'est quoi cette dinguerie? Arrête! J'ai trop peur! Il est où? Courage! Ça va bien se passer, les gars. Tiens, prends-toi ça. Oh, j'aurais pas dû poser tout de suite. L'erreur du débutant. Ça va. Le petit Rajang de chauffe. Je pense que ça passe là, hein. Ça passe. Non, ça passe pas. Oh, la barre de vie. On n'a pas perdu Vaillant. Tout est ok. On joue safe, on joue safe. Je vais le faire tomber là. Merde. On lui met dans la tronche. Ça va faire mal. Meurs. Oh, j'ai jamais joué aussi safe. RM combien? 998. C'est la dernière quête, mon petit type acier. Si je la réussis, j'ai pris une quête un peu cancer. Je l'ai fait trop tôt. J'ai trop voulu faire le malin. Il ne faut pas que je fasse le malin sur cette quête. On joue safe, méga safe. Tant pis si je mets 53 minutes. Oh, puis merde. Oh, elle passe. Oh, elle est belle celle-là. Non. Ouh. À la frame. Oh, je suis obligé de faire le beau jeu. Je suis obligé, les gars. Désolé. Je sais pas jouer safe. Oh. En vrai, je pourrais me retourner taper. Mais j'ai trop peur de ma vie. Je me heal. Alors là, c'est le mi-game-age que vous n'avez jamais vu, les gars. Le mi-game-age no bourrin, ça n'existe pas. Oh, j'ai tapé en biais. Let's go. Bon, j'avoue que celui qui me fait le plus peur, c'est le Mizu, hein. Pourquoi je tape en biais? Nice. Solo sans palico, oui. C'est assez rare. Parce que franchement, ils carry bien les palicos, les machins. Les, avec les parangones, c'est trop facile. Le Mizu, il est... Oh, je crois qu'il se barrait. Non, le Mizu, il est chaud, les gars. Dans ce jeu, le Mizu supérieur, il est méga chaud. Voilà, je l'aurais bien lancé, là, mais j'ai peur de whiff. Salut, des chaussettes.
voyez, dès que je prends un risque, je me fais poutrer derrière, donc on va y aller tranquillou. Même ça, je pourrais taper, je vais taper derrière, j'ai vaillant en vrai. Ah mais regardez, voilà, voilà, faut pas que je joue. Ah, vous avez fait un vote ? Oh les bâtards. J'espère que vous avez voté pour moi, les gars. Je crois en toi, j'ai all-in 25k. Oh là 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 là. Incroyable. Bon, bien sûr, hein, je me suis record en parallèle. Si je réussis la quête, je mets sur YouTube. Et ça, c'est beau. J'ai mis 250k. Ah. Arrêtez. Arrêtez de mettre la pression. J'ai mis 8k pour la victoire. Oh là, ce chat qui croit en moi. Qui ne croit pas en moi, les gars, dans le chat. Mais vous allez voir, hein, le Mizu Apex, il est à tout moment, il me one-shot. Hein. Il est chaud patate. Hein. Pour de vrai. Hein. Là, le Rajang, vous me voyez, j'ai l'habitude d'en faire des Rajang. Et là, vous voyez que je joue anormalement safe. Hein. Normalement, ça devrait passer, là. Oh, merde. Ça one-shot pas. Oh, oh. Regardez pas ma culotte, les gars. Pourquoi je me heal pas? Pourquoi je me heal pas, me demandez pas. Oh, j'aurais pu envoyer Oh, Bishop qui lance un raid. Alors que je dois focus. Merci pour le raid. Merci les raiders. Et là, on est sur la quête du 999. Je prends zéro risque, sauf là. C'est pour vous les raiders, c'est là, elle est belle. Oh, il a même pas bougé. Pff, oh, vous avez vu l'abus. J'ai failli mourir. Ils sont tellement costauds les monstres que tu les tapes, ça fait rien. J'ai l'impression que j'ai jamais fait un rajang de ma vie. Oh, je tente une dingue. Oh, j'ai fait une dingue. Des orages. Oh là. Merci, j'espère que ton live s'est bien passé. Désolé, là je full focus. Dernière quête solo. Ça va être très long. T'es dans la tête d'un joueur wiki, c'est-à-dire. C'est. Merde. Oh putain, faut pas que je perde vaillant sur Rajang, hein, sinon c'est mort. Hein. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de jouer comme ça en fait. De jouer tout seul. Je prends tout le temps les parangones et tout. On a cherché l'angle de la tête. Hop là. Number one éliminé. Ça c'est beau. Bon les next. Donc ça, c'était le plus facile de la game. Salut Dodo. C'était le plus facile. Après, le reste, les gars, plus que deux. C'est quoi ? Et c'est quoi déjà le dernier ? Ah, le dernier, c'est T-Rex. Ah, donc le moment, il est là. Le moment où tout peut déraper, c'est tout de suite maintenant. Combien de cartes autorisées ? Il n'y aura pas de cartes. Alors, le Mizu supérieur, il est super chaud parce que... Voilà, j'ai un bouclier, donc ça va, je me sens pas non plus démuni. Mais il a beaucoup de coups qui one-shot. C'est-à-dire que si je gride de trop, c'est rip, vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, est-ce que je me suis buffé avant d'y aller? Là, c'est ici que tout... En fait, la game, elle se joue vraiment beaucoup ici. Dans l'idée, j'aimerais perdre aucune vie pour être serein sur le T-Rex. Mais... On va pas se voiler la face. Là, j'ai vaillant, hein, donc j'ai le droit à une erreur. Après, si je joue bien, il devrait flinch pas mal. Mais en fait, ce qui va être perturbant... Oh, mais pourquoi tous les sbires, ils me tapent, là? Il faut juste jouer... Là, on va attendre le deuxième cri, on va taper tranquillement. Là, j'ai l'impression de... Ils me tapent tous. C'est ça, ça, ce coup-là, là. Je l'ai fait tellement tôt. Je l'ai fait tellement tôt. Je suis dans la sauce, là, déjà, je vous le dis.
Je le fais tomber parce que j'ai peur. Oh, j'ai pas de balle. J'ai pas de balle. Donc là, je me prends un coup, je me fais one-shotter. Hein. S'il m'attaque par derrière. Après j'avoue je le connais pas très bien le monstre hein. Là je vais attendre un peu parce que s'il me fait son sa daube là. J'aurais pu envoyer là non. Après ça il fait souvent le splash. Je vais attendre. Mettre ma garde voilà. Hop là. Oh non fallait que je garde point. Ce coup là je me le prends, je suis one shoté. Hein. Le problème c'est que je fais zéro dégâts là. Et à chaque fois que je vais vouloir faire une SAED, j'ai le risque de me faire démonter. Oh merde! J'ai l'impression de glisser. Là on va refaire la même. Oh il l'a pas fait là. J'ai trop peur. Je sais pas après quoi taper, je connais pas assez. Je prends un risque là, non? Peut-être mourir. Je sais pas quand taper, Misto. J'ai trop peur, je joue trop safe. Ok, ok, ça va, ça va, ça va. On n'est pas mort, on a perdu Vaillant. Ah, ça, il va être long parce que je lui fais zéro dégâts. L'avantage quand tu joues CB que t'as genre un Kleps ou un truc comme ça, à un moment il va prendre l'aggro et ça fait vraiment des open, vous voyez, vous pouvez faire des SAED et compagnie, et là je l'ai pas du tout. À un moment ça va faire, ouais c'est ça en fait, c'est sûr qu'à un moment je vais faire une SAED parce que je vais vouloir faire des dégâts. Après l'avantage ici c'est qu'il y a pas la notion de comment dire, de DPS check, donc je peux prendre mon temps, vous voyez. S'il était anomalie ça serait plus chiant. Je suis en train de me faire niquer par je sais pas quoi là, j'avais... Salut Cully, t'arrives pour la quête RM999, si je la réussis, je rentre dans la légende. Je me heal hein, les gars, j'ai peur, j'ai tellement peur. Ok, le splash. On va le punir. On va essayer. Oh, ça c'est beau. Ça c'est beau, et j'étais dans la panade. Hein. On attend la relever. Là il va crier. En plus il va pas pouvoir se barrer. Il est dans le coin. Il va tout prendre. Oh j'ai grid. Moi je suis joueur de Mushi Mesama pour ceux qui ont la ref. Attention au splash. Il le fait pas. C'est bien, c'est que quand je veux punir... Il le fait. Je sais pas ce qu'il fait là. Petit décalage dans la tronche. Nice. Il prend beaucoup sur les pattes. Hein. Les pattes avant, donc c'est pas facile de viser. Là j'ai peur. Je vous cache pas que j'ai peur. Mais je le savais que mon placement était bon. J'étais attentif. Je l'ai vu. Oh non. Non. J'étais sûr. Voilà, relevé. Petit SAED. Mais je suis très très vigilant aujourd'hui. Ah là, c'est le RM999 ça. Ça change un homme. Je le suis pas encore mais... Ne parlons pas trop vite. Oh, les belles, celle-là. Meurs. Tombe. Non. Ouh. Immobile en plus.
J'ai la pression, les gars, je ne lis pas le chat. Hein. Là, il crie. Il crie, je vais vers l'avant et je lui bourrine la gueule. Non! Il tape quoi, là? Oh, je suis attentif. Meurs. Oh, je suis attentif. Tombe. Eh, je suis pas mal. Oh, je suis pas mal. Mais il faut pas relâcher la pression. La pression, faut la boire. Top, j'arrive sur le meilleur OST. Ah. T'arrives, mon petit Steph, sur la quête du RM999. On refile, tranquillou. Ouais, je sais, ma barre d'endurance, j'avoue. J'avoue, je vais écouter le chat pour une fois. On va prendre ça. Ça peut avoir son... Du miel aussi, les gars. Le miel, très très important. Surtout si vous commencez Monster Hunter Rise, il faut beaucoup de miel. Là, par contre, il a beaucoup de vie. Ils ont beaucoup de vie, les monstres. Hein. On va refaire un petit buff. Je suis loin. Oh non, j'ai pas eu le temps. Ah, il est passé. Bah, il est passé avec 999 avec moi. Là, je veux. Non, je devrais passer. Oh non, pourquoi j'ai pas fait la garde philo? Mais dégage, toi! Oh, je m'en veux. Je vais être attentif. Je vais pas taper derrière. Là, je pourrais. Le splash. Et il le fait jamais avec moi. Il a vu que j'étais attentif, le monstre. Oh oh. On reste sur nos gardes. Ouf. Je m'en sors. Nice. Bon, je vous fais le beau jeu tout de suite maintenant ou pas? Oh, je vous ai fait le beau jeu. Je vais pas regretter avec un splash. Ouais, je vous ai fait le beau jeu, les gars, sans regarder. Hein. Je vous ai régalé, là. Je vous ai régalé. Quand tu veux, tu meurs. Oh, je suis attentif. Oh, il m'a poussé sur la... Putain, il me dégoûte. Oh, alors là, je m'auto-clap, les gars, parce que ça, je suis content. Ça s'est plutôt bien passé. Alors là, je peux, au moins de cette vidéo-là, je peux en faire 15 TikTok, je pense. Bon, le dernier, les gars, je pense que ça devrait bien se passer. Les mains tremblent. J'ai ma hantise, les gars. Vous savez de quoi j'ai le plus peur dans cette quête? C'est pas le Mizu, c'est pas le Tigrex, c'est pas le Rajang. J'ai trop peur que Pilou débarque avec son aspirateur. C'est surtout ça qui me fait... Parce que tout peut basculer à ce moment-là. Donc je lui ai dit, je record, ne viens pas, j'espère qu'elle va m'écouter. Non mais le T-Rex ça va bien se passer, mais le problème c'est que je me connais, il y a 3 vies les gars, je vais être obligé de vouloir faire du beau jeu et de grid. Et c'est là qu'il va falloir mettre un cadenas, vous voyez ce que je veux dire? Le Rajang Pilou, la vraie boss. Parce que là c'est une anomalie, il se barre. C'est une anomalie, hein, donc là il y a un DPS check et tout à faire, hein. c'est pas le même délire là, on est d'accord. Hein. Putain, en plus je combat là. Même là, quand je finis sa UD, je peux être puni derrière. Ça se passe bien. Oh le bâtard. Oh, ça va. Putain. J'ai mal commencé, hein. Très très mal commencé même. Là il y a plein de bords en plus. Là je peux le faire tomber une fois, je vais le faire tomber. Allez hop. Ça sera fait. Ok. Putain.
Je suis sur PC. Désolé, je lis pas trop le chat parce que je focus, les gars. Le ledge qui me trigger. Viens là, s'il te plaît. Et putain, je me prends tout! Je suis pas bien, je suis pas serein, les gars. Oh, il fait que ça. Voilà, je vais laisser passer la tempête, là. Parce que là, il va exploser. Là, je suis pas bien, les gars. Je vous dis, j'ai très très mal commencé le fight. Je vais mourir, là. Là, il est... J'ai très très mal commencé le fight. Le ledge, là, il est en train de me pourrir la game. Tu veux pas venir là? Attendez, je vais essayer de le descendre. Ah, je peux pas. Oh, je vais crever. Alors que ça doit être le fight facile. Je vais fight là, plutôt, ça va être mieux. Ok, viens là. Ok, ok. Là, j'aurais pu envoyer. On va enlever le malus, on va revenir. Je pense que j'ai grillé plein de compos, hein, plein de popos. Je suis dans la sauce. Allez, on dit que ça commence de maintenant. Je suis pas bien. Ok, là je vais pouvoir commencer à faire des dégâts, ça serait pas mal. Ça, c'est acceptable. Il fait beaucoup de tournées depuis le début, lui. Hein. Putain, je vise mal en plus. Ok. Oh non, je pré-shot rien. J'essaye de jouer safe, mais j'ai pas pris le momentum sur le monstre. Donc là, je suis pas bien. Je vise mal, mais ça ED en plus. Il bouge pas, hein. Je vais reculer. Hop. Celle-là, elle est pas mal. Là, si je bloque le premier hit, c'est rip. Un, deux. Ok, là, c'est bon. Ok, là, je reprends le... C'est comme ça que ça aurait dû se passer depuis le début, hein. Je vais lui mettre sur la patte, là. Je suis un peu proche. Je vais viser la droite, là. Tombe. Oh non! Oh, les fioles ont été mangées par le mur. Un Volto, c'est une arme super satisfaisante, mais il faut vraiment que tout se passe bien. Et tu vois, là, genre là, le début du fight était... J'ai vraiment très très mal commencé. Hein. Et tu vois, faut accepter de prendre des décisions de taper, de se faire taper derrière. Hein. C'est un peu le problème de l'arme. C'est qu'il faut accepter de mourir. C'est du risque calculé, tu vois. Oh, mais et en fait, je me positionne tellement mal. Et celui-là, il a envie de faire beaucoup de roulé-boulé. Hein. Je vais essayer de lui péter son aile. Je tape mal dans l'aile, hein, depuis le début. Je vais être bientôt en plus tranché en vert. Oh, oh là, je me suis fait arnaquer, les gars. Heureusement que ça one-shot pas. Il va falloir que je trouve un stratagème pour aiguiser. Oh le bâtard. Oh le T-Rex, le fight est pas beau. C'est pas celui qu'on va retenir. Oh, il se barre. Les joueurs Volto, je me prends une baffe, mais il en prend deux. Ouais, ouais. Après... Volto H, quand tu joues, si t'as l'habitude de jouer en multi et tout, il y a tellement de moments où tu peux taper le monstre en traître derrière et puis le démonter. En vrai de vrai. On va juste retenir le 900. Non, non, non. Ouais. Franchement, moi déjà, je peux dire que sur la game, ok, le T-Rex, dégueulasse. Mais le fight contre le Mizu, je suis super satisfait en vrai. Parce que je sais que c'est un monstre qui est vraiment hard. Mais déjà, on va se satisfaire quand j'aurai réussi la quête.
Parce que là, elle n'est pas réussie. Bon, allez, je vous mets quand même une belle SAED parce que c'est vous. Je crois que c'est Misto, c'est ce qu'il attendait de moi. Là, j'ai joué safe. Il va me jeter des cailloux, là. Non. Après ça, ça dépend ce qu'il va me faire, mais il tourne beaucoup, lui, il me fait peur. Oh, oh. C'est un T-Rex un peu foufou, vous voyez, qui tourne beaucoup. Ah, il va exploser. Peut-être pas tout de suite, je vais peut-être le faire tomber, là. Non. Ah, il tourne beaucoup, celui-là. Bah, là, il va exploser, hein. J'ai pas fait le DPS check, c'est pas grave. Non, il n'y a pas eu de carte. Il n'y a pas eu de carte. En vrai, oh là. En vrai, franchement, sur le Tigre, j'en mériterais un parce que le fight est très moche. Par contre, si passier, t'as raté le Mizu et le Mizu était exceptionnel. Mais il arrête pas de faire ça. Il me rend ouf. Sachant qu'en tant que joueur de Volto H, hein, quand il fait ce move-là, hein, c'est une bénédiction. Hein. Le T-Rex s'appelle Benoît. Oh. Oh, j'ai eu la chance que le jeu me le donne, celle-là. Oh putain, il m'a pas tapé. Je pense qu'il a fait au moins, 10 tournées manège, là. Pour ceux qui ont la ref. Il me fait peur. Du coup, à chaque fois, je crois qu'il va le faire. Oh, j'envoie la purée. Fuck. Au bout d'un moment, j'en ai marre de me retenir, les gars. À tes souhaits, Pilou. Ah ouais, là je me suis trop retenu, les gars, sur cette quête. Et c'est ce qui m'a porté préjudice, je pense. Trop de retenue. Il faut Monster Hunter, faut savoir se lâcher. Oh, je balance la sauce, les gars, alors là. Il me fait de la peine, la limite. Il est tellement lent. Ok. C'est ce que je voulais, le deuxième down. Oh, je l'ai raté. Oh, il a reculé, mais quel bâtard. Je suis peut-être mort. Ah, je l'ai mérité cette mort, je l'ai mérité. De toute façon, que serait une quête sans une mort de Migamash? Ouais, bah, j'ai craqué, je pense que j'ai craqué. Depuis le début, je me disais... C'est pas grave, on reprend. Ça, c'est pour la RNG du talisman incroyable qui va en découler, et ça, c'est beau. Ah ouais, j'ai fait l'erreur. Ça va faire une demi-heure, mine de rien. Allez, let's go. Quelle quête infernale. Le pire, c'est que là, il peut me retuer parce que si j'ai pas le DPS check, stun, je suis mort. Hein. Ok, tête de mort. On va jouer serein. Salut, ours bleu. Ah ouais, et il en a fait combien? S'il y en a un qui peut compter le nombre de tournicotes qu'il a fait là. Oh là là, il en refait encore. Oh, j'ai eu du clac sur le... J'ai dû toucher un autre monstre. Le DPS check, je t'explique après. En fait, ces monstres-là, tu vois, il a des trucs rouges, mais là, je peux pas t'expliquer. Je t'explique après parce que je suis pas bien.
peut-être une erreur là. Il va exploser. S'il tombe pas, il explose. Ok. Pouah ! Clap. Ah, désolé les gars pour la mort. Ouais, je pense qu'au final, j'ai craqué sur le T-Rex sur la fin. Mais il est là. Le RM999, je pense. Merci pour les GG. Merci, merci les gars. Oh, il y a Captain Caca qui follow au même moment. Ça, ça veut tout dire, les gars. Captain Caca, ça veut tout dire. Ces claquettes, elle était à gerber. Merci, merci. Donc, qui a voté j'y étais. On va essayer de créer un moment, les gars. On va essayer de faire ça. Si vous y étiez, je sais pas comment je vais me débrouiller. Mais normalement, si je fais ça... On va attendre de voir si je suis bien RM, si les calculs sont bons, si je suis bien RM999. Bonjour et GG, merci Captain Caca, qui était. On va essayer de capturer un moment. On va essayer de voir ce que ça donne. Mais j'avoue, je sais pas pourquoi je me stresse comme ça, salut Hugo. Merci, merci pour les follow, pour ceux qu'on follow. Merci pour les raids. Et tout petit crash. Oh, non, non, on peut pas crasher là, c'est impossible les gars. C'est impossible. Let's go, les récompenses. Attention. Attention. Le RM999. Eh ben, il est là. GG. Arrête de me donner des quêtes, on voit plus. Vous avez obtenu un badge d'honneur. Et ça, c'est beau. Il est là. Donc là, je vais faire capturer un moment. Voyons voir. Récompenser les spectateurs d'avoir été présents en ce moment. Oh, est-ce que ça marche? Délai d'attente. Ah, victoire. Est-ce que ça fait un truc, Clem? Je ne sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, ça fait plaisir. Et ça, c'est beau. Ah, je suis soulagé. Je suis soulagé. Oui. Ah, voilà, Toto, il a le badge. Faut faire quoi? Faut cliquer sur un truc? Ça se passe comment, les gars? Merci en tout cas du soutien. Ça fait plaisir.